Salut tout le monde, c'est Finx40, on se retrouve donc aujourd'hui pour le 14e épisode de notre Let's Play sur Pokémon version Perle. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça super. Donc la dernière fois on est arrivé à Verchamp. On avait commencé à affronter tout simplement la team et le champion de l'arène. Sauf qu'on s'est bien fait défoncer. Du coup on va y retourner. Nous allons y retourner dans l'espoir d'y arriver. Alors, je sais même plus c'était quoi comme type d'arène. C'était haut, je crois. Le type haut, ouais. Ok. Donc, type haut. C'est pas très intéressant ce qu'on a. On va laisser comme ça, on verra bien comment ça va se passer. Même si c'est comme ça que je me suis fait défoncer l'autre fois. Il faut que je appuie sur tous les boutons. Tac, tac. Donc ouais, aussi si là je perds, je ferai une ellipse histoire de rappuyer sur tous les boutons. Ah, c'est pas encore à ma hauteur ici. Je sais même plus comment on fait. Ouais, peut-être par là. Ouais, c'est par là, hop. Voilà. Après on passe ici. Si je passe là. Tac. On appuie ici. Tac. Ah, c'est malin, je me suis coincé là maintenant. Hop, ici. Tac. Comme ça, on peut passer ici. Continue tout droit, voilà, tac, parfait. Et voilà, comme ça, on a accès à Clovis, je crois. Lovis, pardon. Si j'insulte son prénom, ça va pas le faire. Allez, donc c'est parti, les amis. Va-t-on réussir aujourd'hui à battre le champion d'arène? Il a 3 Pokémon donc. Ah, il commence super par le Léviator. Ça va être chaud, hein, les amis. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on baisse son attaque. Donc, ça, c'est plutôt intéressant pour nous. Sauf que lui aussi, il baisse la nôtre. Hop, allez, donc c'est parti. On va lui faire cruel. Ok, ça promet. Ok, il va donc nous mettre confus en nous augmentant. C'est pas très cool ça. Allez. S'il te plaît. Ah, zut. Zut, zut, zut. Aïe. Ah, ça sent mal pour nous là. Allez, s'il te plaît. Tu peux y arriver, et ben non, toujours pas. Ok, c'était vite fait, bien fait avec les tourbales. Hein. Allez, c'est pas grave. Enfin, si c'est un peu grave, mais bon, faut pas le dire. On y envoie Luxio. Tac, on lui baisse encore son attaque. Et on va lui faire étincelle. Ah, il nous attaque en premier. C'est bon, il a pas la trouille. Nickel. Hop. Oh. Dommage. Du coup, je pense qu'il... Non, même pas. Ah, il le retire carrément. Ah non, Marest. Je l'aime pas, Marest. S'il y a bien un Pokémon que j'aime pas du tout, c'est voilà. C'est bien lui. Oh, je pense que c'est surtout contre Marest qu'on va galérer là. On va continuer comme ça. Hein. Je sais pas ce qu'il craint exactement en plus. Alors.
Forcément. Alors, il est de Pokémon type eau et sol. Ok, on lui a mis la trouille, c'est génial. Aïe, ça j'aime pas trop. Aïe. Ouais, il craint que les plantes. Oh là là, j'ai pas de plantes avec moi. J'ai pas de plantes avec moi. Ça promet. Oh là là. Je pense qu'il faudra qu'on essaye d'attraper un Pokémon type plante parce que sinon ça va être chaud. Ok, c'est loupé. Oh non, mais utilise pas une super potion. J'ai déjà galéré à lui enlever tout ça comme vie. C'est pas cool ça. Ok, j'aurais pas dû faire ça et je crois que j'ai fait la même bêtise. Au moins ça augmente notre attaque, c'est intéressant. Allez, bon, on va faire coupe. Allez, on peut y arriver, les amis. Si j'y arrive pas aujourd'hui, bah, j'irai essayer d'aller trouver un Pokémon type plante, genre au marais ou un truc comme ça. Parce que oui, il y a un marais vers Verchamp. Allez, on peut y arriver. Petit à petit. C'est bien, continue à nous faire mimiquer, hein, c'est très bien comme ça. Hein. Oh non, on s'est loupé. Ouais, sauf que du coup, lui il va nous one shot parce qu'il nous a mis plein de souplesse. Plein de mimiques. Voilà. Ah! On va y envoyer grave à l'anche. On n'a pas trop le choix. Faire en pleurs. Allez. Ouais, en plus c'est une grosse ampleur qu'il a fait. Nice, on l'a eu. Niveau 26 pour Gravalanche. Ok, il renvoie son Léviator. Baisse notre attaque, forcément. On va essayer de lui faire éclate rock. Ah non, mais non. C'est pas cool. Ouais, forcément. Au moins, on baisse sa défense. Est-ce que j'ai des rappels? Ah, que dalle. J'ai oublié d'en acheter. Allez, on va tenter comme ça. Oh non. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Tous mes meilleurs Pokémon, ils sont morts. Ça promet. Ça promet, ça promet. Ah, onde de choc. Je savais même pas qu'il avait ça comme attaque. Ah. Aïe, sauf qu'il lui a nous one shot aussi, je parie. Ah non, c'est bon. Il y a peut-être un espoir. Maintenant qu'on a vaincu le Marest, ça serait bien.
Voilà, on a déjà battu le Léviator et le Marest. Ok. Niveau 21 pour Kadabra. Ah non, c'était à lui que j'avais galéré. Forcément. Allez. Allez, forcément, j'attaque pas en premier en plus. Ouh. Hop. Ouais, c'est foutu dans tous les cas. Ouais, c'est foutu. Il me reste que Ponyta. Et Ponyta, il va se faire one shot parce que c'est un Pokémon type feu. Aïe aïe, mes Pokémon, ils ont encore besoin d'entraînement. Hein. Ça va être foutu. On va faire écrasement pour la peine. De toute façon, il m'attaque en premier. J'aurais dû penser à acheter des rappels aussi. Plus, il a une Bessitrus, lui. Aïe, c'est foutu. C'est foutu. Et toujours contre le Mistéflotte. Mais bon, c'est pas trop grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller trouver un Pokémon type plante pour justement affronter le Marest. Que ça veut dire qu'on galère la prochaine fois qu'on essaie de l'affronter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Est-ce que j'ai des Pokéballs au moins? Oui. Donc on va aller au marais. La brique, là, ça faisait un. Ok. Bah allez. En plus, avec les Safari Balls, cool. Allez, c'est parti. Faut qu'on trouve les Pokémon type plante. Ok, en plus on trouve des antiparas. Ah, d'accord, je suis tombé dans un trou. Allez! Comment on doit faire? Allez! Mais what? Quoi ce truc? Oh. Ah, enfin un Pokémon. Mais non, mais je m'en fiche, c'était pas un Pokémon type plante, toi. Moi, je veux vraiment Pokémon type plante. Ah, mais c'est chiant de se bloquer comme ça. C'est quoi ça encore? Oh, un Marest. Ça pourrait être pas mal à choper ça aussi. Ok, il a pas envie de venir lui. On va lui lancer un appât. Allez, s'il te plaît, laisse-toi choper. 1, 2, 3. Yes! Un petit Marest dans l'équipe. Ça fait toujours plaisir. Ok. Non. Allez, sors de là. Ok.
Non, pas Maril. Je cherche un Pokémon type plante-moi. Grand Marais Parc 5. Ah, mais il y a plusieurs. On va aller au parc 1 pour voir. Oh, c'est tellement classe. Ah, c'est classe, j'aime bien. Ok, qu'est-ce qu'on va trouver là? Ah bah. Un rose bouton. On va lui lancer un appât. Plus niveau 24, c'est cool ça. Hop. Allez, on va essayer de l'attraper. Deux, trois. Génial, on l'a eu. On l'a eu, on l'a eu. On a eu notre Pokémon plante. Nous servira beaucoup pour le prochain épisode, ça. Après, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Oh, un Axolotl. Je me dis que j'ai ma reste, donc ça me servira peut-être à rien. Allez, hop. On continue d'explorer. Non, un étourmine, tu me sers un peu à rien, toi. Je t'avais déjà. Hop. Pourquoi il y a toujours des trous? J'ai le don pour tomber dans les trous. Ah, encore un axolotl en plus. Tac. Je pense que j'aimerais bien trouver un dernier petit Pokémon à attraper avant qu'on se laisse. Que j'ai déjà creusé, s'il vous plaît. Ah, un psychoquack. Ah, je le veux. Bah, vous savez quoi? Ça sera lui notre dernier Pokémon qu'on va essayer d'attraper avant qu'on se laisse. Vu que je kiffe à quoiquack. Oh, c'est pas cool. C'est vraiment pas très cool ça. Oh, un rapion. On va essayer de le choper. Hein. Peut-être me servir un jour celui-là. 1, 2 et 3. Ah! Alors ça. Tu vas venir avec moi s'il te plaît. Punaise, il ressort direct maintenant. C'est ça. Enfuis-toi. Bon, ce qu'on va faire, c'est que finalement, on va se laisser là. On aura une autre Pokémon plante. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Et donc, on se retrouvera pour le prochain épisode avec donc la nouvelle équipe. Du coup, je vous dis bye tout le monde.